le moment où Nathalie Stéphan a donné la mort à son enfant, elle le situe vendredi. Et les vérifications qui ont été faites par les services de la sécurité publique et de la police judiciaire au cours de la journée permettent effectivement de se rendre compte que vendredi, en tout début d'après-midi, la maman est encore accompagnée de son enfant. En tout cas, elle a en sa possession une poussette. Et à partir du milieu d'après-midi, elle n'est plus accompagnée de son enfant. Ça correspond effectivement au moment où elle nous indique avoir donné la mort à son enfant.